Non, commence par la diagonale, c'est bon. Il se plaît pas du tout, il a station là. Tukan abi, madem canım video çekiyor, niye Instagram'dan bu ligi günü dedin ya? Beynimde çalkalanıyor şu. Hayır, Bully'e gireceğim. On l'a jamais vu, mais ce qui paraît, il est détestable. Et très sévère. Dur, neymiş bu ya? Salut. Vous connaissez le prof? On l'a jamais vu, mais à ce qui paraît, il est détestable. Et très sévère. Mais je suis quand même content de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Pardonnez mon retard. Vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détaliès. Bienvenue. Oğlum, bu ne biçim diyor ya? Dans mon cours de psychologie sociale, ou comme je préfère l'appeler... Comment sortir de la friendzone? Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Alors quels sont les signes? Comment est-ce qu'on sait quand on est dans la friendzone? Le cœur bleu. Mahabi kalp. Le cœur bleu à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre? Les contours. Développé. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, et bah c'est que j'ai friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre? 19h au lieu de 21h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Eh bien très bien, on avance vite. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Non mais je suis pas d'accord. Nédédine? Enfin, la friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Chloé? Chloé. Et cette Chloé vous a friendzonné? Ouais, d'accord. Prenons cette fille, par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez? Peu importe. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites? Ne réfléchissez pas, qu'est-ce que vous lui dites? Ok. Salut, je m'appelle Willem. Après, je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle, et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son amie. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah, voilà, c'est facile, j'y vais, tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu. Comme un pote. D'accord. Très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A? Ou comme avec la fille B? Vous voyez, elle ne vous a pas friendzonné. C'est vous qui l'avez fait. Écrivez. La secte, l'analax. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Le courage. Comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. Videoda değişik bir gaz verme yok mu ya? Adoptez le comportement A plutôt que le comportement B. Chaque détail compte, flirter avec d'autres personnes, mettez partout vous dans le même panier. Akşam herkes birilerine seni yalarım diye mesaj atacak ya. Et malgré toutes ces étapes, cette personne continue à vous considérer comme un ami. Débarrassez-vous-en. Lâchez prise. Cette personne. Chut. Bak. Gördün mü? Edren istiyor bu. Bu benim yayını izleyip der şeye panonun önüne çıkmış. Personne ne vous mérite pas. Voilà. Chloé arıyor, Chloé. Excusez-moi. Qui est-ce qui vous appelle? Chloé. Celle qui vous a friendzonné. D'accord, répondez au téléphone. Quoi? Répondez au téléphone. Vous avez suivi mon cours, n'est-ce pas? Le courage. Lan şu telefonu iki gününe aldım, almaz olaydım. Amına koyayım ya. Allô, ça va? Je te dérange pas, t'es tout seul? Ouais, à peu près. On se voit toujours ce soir? Oui, non. Pourquoi? Parce que... Parce que ce soir, je vois Marie au cinéma ce soir. Ah d'accord, elle te plaît? Oui. Oh, pourquoi tu ne l'as pas dit? Restez mystérieux. Pourquoi je te l'aurais dit? Tu sais, il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Mais je suis ton ami quand même. Je ne t'ai jamais considéré comme une amie. T'es sérieux?
là. Tu sais quoi, me rappelle pas. Félicitations, vous êtes sorti de la friend zone. Attendez, vous êtes sérieux là? Enfin, c'est ça pour vous sortir de la friend zone? Se débarrasser de quelqu'un à tout jamais, mais vous êtes complètement fou! Mais qu'est-ce que c'est que ce cours? Vous m'avez fait perdre quelqu'un qui me plaît vraiment. J'aurais préféré attendre qu'elle soit prête plutôt que la perdre. C'est ça pour vous sortir de la friend zone? Kız arayacak şimdi bak. Vous attendez quoi là? Qu'elle vous rappelle. Allô? Tu sais, si tu voulais aller au cinéma ce soir, t'aurais pu me le proposer. Ok. 19h? Non. Plutôt 21h. Güzel. Güzel abi bizim... Yani niye bu kadar kastırdınız gibi diyor çünkü bunları defalarca anlattık zaten. Ah lan Türk video, orijinal videosu özenti yazacaktım. Bunu defalarca anlattım. Kaçan kovalanır oğlum. Frenzona yapıyorsa boş ver bak next. Güzel videoymuş ama müzikler falan. Aa ikincisi de var bunun. On alt dakika izlemeyeyim istiyorsanız. Güzel video oğlum, niye izlemeyelim ya? Je m'appelle Anthony. Salut. Salut, ça va? Ça va? Ouais, c'est cool. Tu sais pourquoi il y a autant de monde? Ah ouais, son dernier cours a eu un certain succès. Et t'en as pensé quoi? J'ai détesté. J'ai adoré. Ce prof est brillant. Un but de sa personne. Des techniques pédagogiques super originales. J'ai adoré les jokes, mais sérieux. Lou, c'est inutilement sévère. Wow. Oh là là. Reis geliyor. 2x yap abi ya. Niye yapayım oğlum? Otur izle amına koyayım ya. Sanki dünyayı kurtaracağım. Vaktin yok. Surtout te fais pas remarquer et reste bien attentif. Parce que c'est meilleur. I see him, some do it. Vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous avez raison. Just touch down and out of... Je suis le professeur Guillaume Détales et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Comme je préfère l'appeler. Comment sortir de la... C'est mon imagination ou le nombre de mes élèves a considérablement augmenté depuis la dernière fois. Bon, commençons. Je vous rappelle que la friend zone serait un endroit psychologique dans lequel on se retrouve piégé lorsque l'on ressent des sentiments amoureux envers quelqu'un qui n'a que les sentiments amicaux à notre égard. Qu'en avons donc conclu la dernière fois? Pourquoi? Qu'il y a la seule friend zone qui existe et celle dans laquelle on se met seul en se comportant trop amicalement avec quelqu'un qui nous plaît. Et donc? Alors sortir de la friend zone consiste tout simplement à changer son comportement. Opter pour le comportement séducteur au dépend du comportement amical. En gros, ça dépend que de nous. Très bien, maintenant faites-vous plaisir et donnez-moi des signes. Des signes qui nous montrent que nous nous sommes probablement mis dans la friend zone. La voix au téléphone. La voix. Si on s'appelle le soir et je prends pas ma voix grave de m'être fatigué, c'est clairement la friend zone. Très bien. Quelqu'un d'autre? Si je réponds rapidement à son message alors qu'il a pris des heures avant de me répondre, c'est la friend zone. Pourquoi? Parce que si c'est un pote et qu'il met des heures avant de me répondre, c'est pas grave, je peux répondre vite. Par contre, si c'est un flirt, faudrait pas qu'il croie que je guette son message. C'est plutôt qu'il le... Oğlum dur rap gibi gitme bir yavaş yavaş git ya. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est plutôt une question sur un des signes. Accélérez, accélérez, vous voulez que les gens nous... İnsanın hikayen bitmeden bizi terk etmişsin. Quitte avant la fin de l'histoire ou quoi? Si elle like ou commente notre dernier... Eğer o bizim son Instagram gönderimizi beğeniyor veya yorum yapıyorsa... Instagram... C'est bien parce que... Pas forcément, mais si elle like une photo de vous... Eğer o senin eski gönderini beğeniyorsa bu iyi haber. Date de 3 ou 4 mois, c'est bon signe. Parce que là, elle veut vous montrer... Çünkü senin tüm profiline girip baktığı anlamını... tamam, ok. Aynen. Montrez qu'elle a remonté votre profil. Un dernier? Mais qui l'ont eu? Les deux tapes sur l'épaule. Les deux tapes. Alors, après avoir rigolé ou qu'on est en train de se dire... Yanındaki erkekle kendini rahat hisseden bir kız une fille qui gülükten veya hoşça kal dedikten sonra omzuna elini koyma eğiliminde olur. Alors, si eğer sadece dokunuyor veya okşuyorsa bu iyi bir işaret. Ama omzuna birkaç kere vuruyorsa hani kankimsin arkadaşımsın bu abi. Boş video bence. Cool. Là, croyez-moi, c'est la friend zone. D'accord.
Très bien. Écrivez le sous-chapitre comment désamorcer le processus d'amitié. Désamorcer? Bu kızı ağır göt edecek. Un problème? Non, non. Vous en parlez comme si c'était une bombe, comme si c'était mortel. Depuis quoi? Bak bu da bizim kafalar şimdi bak kız rage'lendi. Bu ne bu ya? Hayat memat meselesi mi amına koyayım? Yani alt tarafı friendzone veya değil. Sevgili ya olursun ya olmazsın ya. Allah akıl fikir versin. Ben bunu polise vereceğim ya. Vallahi polise vereceğim ben bunu ya. Vereceğim abi polise. İhbar edeceğim yarın ben bunu. Lan Kordi şu telefonu al benden ya. Al sikimi iki gün işim var diye bunu aldım. Yarın bunu al benden. O telefon numaramı değiştirdim ya. Üç günlüğüne telefonu geri aldım. İşim vardı. Çünkü yeni telefon attığıma bütün her şeyimi aktarmam gerekiyordu. Onay mesajları buraya geliyor. Aldığıma bin pişman oldum ya. Ben 10 gündür huzurluymuşum amına koyayım. Yok videoyu yavaşlatmaya gerek yok. Devam. Quand est-ce que l'amitié est quelque chose qu'il faut redouter à tel point qu'on doive la désamorcer? Bon, vous avez l'air d'avoir perdu un ami. Vous êtes persuadé que c'est... Ve bunun benim hatam olduğuna ikna olsun. Quoi, c'était votre meilleur ami? Écoutez, ce n'est pas de ma faute si votre ami... C'est vous qui avez déclaré que la friendzone n'existait pas. C'est depuis vous qu'il... Ona şu an ünlü mavi kalp emojisini gönderdim ve şüphelenme sizin suçunuz. Mettez en question si on a le malheur de leur envoyer un cœur bleu. Harbiden boş videoya doğru gidiyor. Vous avez créé des monstres incapables de se contenter d'amitié. Depuis vous, dès qu'ils ont l'impression de détecter un signe d'une soi-disant friendzone, ils ont subitement envie d'en sortir. Parce que vous les avez encouragés à en avoir peur, à voir ça comme quelque chose de vexant, comme quelque chose qu'ils doivent désamorcer. Alors qu'au contraire, ce que vous n'avez pas dit, c'est que lorsque quelqu'un vous considère comme un véritable ami, vous comptez vraiment. Et bien plus qu'un énième crush comme on en croise un million dans une vie. Bien plus. Vous avez créé des monstres. À votre avis, combien de couples se sont formés depuis votre premier cours Comment sortir de la friendzone? Combien ont réussi à transformer leur amitié en relation amoureuse? Amitié qui durait sans doute depuis des années. Des centaines? Des milliers? Combien? Et ces nouveaux couples ont duré quoi? 6 mois? 1 an? Grand max? Vous êtes persuadé de créer de l'amour alors que tout ce que vous faites c'est détruire de l'amitié. Parce que l'amour échoue bien plus facilement. L'amitié, j'ai compris ce que vous essayez de nous dire, mademoiselle. Alia. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Eh bien, je vous l'ai donné quand même. Oh! Vous avez terminé, mademoiselle Alia. Bunlar bir sevgili olur ha, ben size söyleyeyim. Bien. Oh, bon nom. Vous avez créé des monstres. Détruire de l'amitié. Admettons, vous, ne me donnez pas aussi votre nom, il ne m'intéresse pas. Quelle est la nourriture que vous aimez le moins? Quoi? Allez, dans quel restaurant vous n'allez jamais manger? Japonais. Pourquoi? J'aime pas le poisson cru, les sushis et tout. Si je vais, je prendrai que des brochettes. Donc bon, ça va un peu cher pour des brochettes. Ne me racontez pas votre vie. Quelqu'un est d'accord avec lui ici? Wow. Vous deux, vous êtes ensemble? Non, on est juste potes. Ouais. Combien de fois êtes-vous allé manger au resto japonais du coin de la rue à l'heure du déjeuner? Plusieurs fois. C'était bon? Ouais, j'aime bien. Pourtant, vous avez levé la main, vous, donc vous détestez ça, n'est-ce pas? Oui, mais... Vous aussi, vous avez levé la main. Vous y allez quand même à deux? Bah non, on y va jamais ensemble, vu qu'il n'aime pas. Vous avez compris, mademoiselle Alia. Votre théorie dit que je détruis l'amitié. Mais dans le cas 1, votre soi-disant ami va venir manger des sushis avec vous et des petites brochettes en vous cachant qu'il déteste ça. Tandis que dans le cas 2, votre ami vous dira qu'il n'aime pas ça, en prenant le risque que vous y alliez avec quelqu'un d'autre. Et alors? Dans le cas 1, c'est-à-dire dans le cas d'une friendzone, votre ami n'est pas lui-même. On fait tous des compromis en société. Là, il s'agit simplement de poisson cru. Mais jusqu'où ira votre ami friendzoné pour vous plaire, consciemment ou inconsciemment? Il calquera ses goûts sur les vôtres, cachera sa vision de la vie s'il a l'impression que vous en avez une opposée. Par exemple, il ne vous exposera pas son avis sur la peine de mort s'il a l'impression que vous êtes contre alors que lui est pour. Pourtant, c'est ce que devrait faire un ami. Car un ami est juste lui-même et ne cherche pas à paraître comme le gendre idéal. S'il vous a avoué ses sentiments, comment pouvez-vous être sûr que vous étiez attaché à votre meilleur ami? Et pas plutôt au masque qu'il revêtait pour vous plaire. Beyniniz GG olmasın abi, çok basit matematik yapıyor herif ya. Si c'est ce genre d'amitié que j'ai détruit, y a pas mort d'homme. Reprenons. Nous allons donc voir comment désamorcer une amitié naissante en plusieurs étapes. Une amitié non voulue, une future friendzone. Vaut mieux tenter de la désamorcer, oui, maître. Evet, beyninizin yanma sebebi anladım. Hızdan hızdan. Çok adamlar hızlı konuşuyor, çeviri de çok hızlı. Refrain plutôt que de faire semblant. Hadi ben kocaman ekrandan görüyorum da siz de küçük kadar ekranla okumaya çalışıyorsunuz. Je vous rappelle que la friendzone n'existe pas.
D'ailleurs, quelqu'un ici saurait comment détruire une amitié sincère et réciproque. Pas une naissante, mais une sincère et réciproque. Allez, un peu d'ingéniosité. Dites-moi comment détruire une amitié sincère et réciproque. En créant de la jalousie ? Non. En prenant ses distances ? Non. Et si vous nous donniez la réponse tout de suite ? Parce qu'on va donner toutes les réponses possibles et inimaginables et vous allez nous donner la réponse géniale auquel personne n'aurait jamais pensé. Alors, épargnez-nous tout suspense, non ? Le premier qui trouve la réponse à ce problème valide son semestre automatiquement. Instantanément. Quelle est la seule et unique façon de détruire une amitié sincère ? Samimi ve karşılıklı bir arkadaşlığı bitirmenin tek yolu nedir? Comment peut être sûr que vous avez la réponse? Peut-être que vous choisirez la meilleure réponse d'entre nous et vous direz que c'est celle que vous attendiez. Alors bu arada tam aklımdan geçen şeydi. Hani güzel taktiktir bu. Que vous ne l'aviez même pas. D'accord. J'écris la réponse ici. Hadi bakayım. Vous avez jusqu'à la fin du cours pour la trouver. Avec vos histoires de sushi, vous vous rendez compte que vous dites presque si l'ami n'est pas sincère, c'est de notre faute. Vous lâchez pas le morceau, vous. Mais c'est de la faute des théories comme les vôtres, en fait. Comment un ou une amie qu'on connaît depuis des années peut basculer de l'autre côté, subitement? Mais lui avez-vous dit clairement qu'il n'y aurait que de l'amitié et jamais autre chose entre vous? Non, mais... Alors il a le droit de tenter sa chance puisque la friendzone n'existe pas. Mais on n'a pas forcément besoin de le dire, en fait. Ça se voit dans l'attitude quand c'est kamikaze et que ça ne peut rien être d'autre. N'importe qui le verrait, vous croyez? À part quelqu'un à qui vous avez monté la tête avec vos théories, n'importe qui serait capable de détecter une attitude purement... Je suis un coptum manichaïdan à Paris. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Quoi? Ah, je suis William de ménage à l'extérieur de l'amphi. Il s'appelle Richard, il travaille dans cette université depuis un peu moins d'un an et il est homosexuel. Allez lui parler, invitez-le à sortir comme manger ou ce que vous voulez. Invitez Richard, mais purement amicalement, comme vous dites. Vous prétendez que n'importe... Dur, toparlıyoruz şimdi. Pour ça qu'il reconnaîtrait votre attitude amicale. Mais si Richard croit plutôt que vous lui faites des avances, alors il vous dira qu'il est homosexuel et qu'il n'est pas intéressé. Dans ce cas-là, je gagne le pari. Et dans le cas contraire, s'il accepte le rendez-vous, c'est qu'il aura reconnu vos intentions purement amicales. Et là, c'est vous qui gagnez le pari. Facile. Mais je n'aime pas les tricheurs, alors donnez-moi votre numéro de téléphone et cachez un écouteur dans l'une de vos oreilles. Je vous appelle en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre votre conversation avec Richard. Alors, pari tenu? Super ennuyant. Oh, soyez un peu plus crédible. Je m'en vais. Ouais. Vous avez déjà fait de la psychologie sociale? La conseillère d'orientation, ça compte. Vous sympathisez, là, vous trichez, proposez-lui. J'ai pas vraiment d'amis et j'ai personne avec qui aller manger. Donc, wow. Ça vous dit qu'on aille manger un truc ce soir, ensemble? Ce soir? Ça vous dit? Ouais. Vous acceptez? Oui. Donc, vous acceptez de venir manger un truc avec moi ce soir? Avec moi? Ouais. Yes. Tu me plais bien, donc... Hein? Enfin, mais Richard, vous êtes homosexuel. Homo quoi? Mais vous êtes un membre! J'ai gagné. Mais vous m'avez dit qu'il était gay. Je ne vous avais pas fait croire qu'il était gay. J'aurais fait autrement. Oui, vous n'auriez pas été vous-même. Là, le croyant gay, vous n'aviez aucune crainte de lui plaire. Alors vous avez eu une attitude amicale tout en étant vous-même. Mais il a quand même cru que vous lui faisiez des avances. Parce que chacun sa sensibilité. J'ai gagné. Revenons en cours. Comment désamorcer une amitié naissante et non voulue? 1. Choisissez. Saisissez toutes les occasions de ne pas le ou la laisser choisir. Que ce soit le film que vous allez voir au cinéma ou la place où vous asseyez au resto. Imposez votre choix. Finalement, tu lui ressembles. À ce prof. Ah, tu lâches pas l'affaire comme lui. Mieux vaut l'agacer plutôt que d'être toujours d'accord avec lui, ouais. Mais fais gaffe à pas trop le pousser à bout. Parce que je pense pas que lui supporterait de réaliser une tête d'or. Ne soyez pas trop visiblement à l'aise. Montrez de la timidité, de la réserve. On est trop à l'aise avec un ami, pas avec un amant. 4. Soyez plutôt distant que trop présent. Ignorez-le ou là pendant 2 jours et revenez comme une fleur le 3e. Laissez l'autre revenir vers vous. 5. Non. Yes, c'est la fille qui m'a friendzonné, monsieur. Non, ne répondez pas. Ne répondez pas! Allô? Oui, tu m'as demandé de t'appeler. Qu'est-ce que je dis? Sans lac. Il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Écoute, Charles, si c'est encore par rapport à ce dont on a parlé, je te répète pour la énième fois que je te considère comme un simple ami. Je suis désolée si t'as compris autre chose, mais... Tu n'as jamais été une amie pour moi. D'accord, tu me l'as dit 10 fois, j'ai compris. On ne pas d'élèves. D'accord, mais s'il te plaît, Charles, arrête. Tu m'appelles tous les jours, c'est bon, j'ai compris. Tu commences réellement à me faire peur, en fait. Lâche l'affaire, s'il te plaît. Allô? Allô? Alors, c'est bon? Allô?
Elle va me rappeler, c'est ça? C'est quoi la prochaine étape? Arada. Vous allez sortir de la friendzone, monsieur? Hein? La friendzone n'existe pas. Asseyez-vous et fermez-la. Vous ouvrez encore la bouche sans que je vous ai donné l'autorisation et je vous mets à la porte à tout jamais. Vous avez compris? Oh, vous n'assumez pas le fond de votre bébé. C'est vous. C'est depuis vous. Vous avez créé des monstres. Des monstres. Mademoiselle Alia, je suis désolé que vous ayez coupé les ponts avec votre meilleur ami, simplement parce que mon cours l'a poussé à être sincère avec vous. Désolé qu'il vous ait menti depuis le jour de votre rencontre. Je suis désolé qu'il n'ait pas continué à ravaler ses sentiments sans vous le dire, pour que vous puissiez garder un ami fidèle, un toutou qui va toujours de votre sens et qui vous regarde avec des yeux pleins d'étoiles pour vous permettre de faire le plein de confiance en vous et votre petite personne. Je suis désolé. Mais ne nous faites pas croire que vous ne le saviez pas. Vous faites semblant d'être remonté contre moi et mon cours, alors que vous n'arrivez simplement pas à avaler le fait que vous estimez bel et bien comme un énième crush c'est comme un croire 1 million dans sa vie. Il était votre meilleur ami. Mais vous n'êtes visiblement pas assez bien pour être la sienne. Agabé! Ulan bunlar acaba birlikteler miydi lan? Bunlar mı acaba arkadaş olanlar? Je ne suis pas vraiment d'accord cette fois, monsieur. Enfin, peut-être que son meilleur ami l'a considéré vraiment comme son ami, sincèrement. Ah, c'est donc lui ton ex-meilleur ami. Que suite à votre cours, qui était génial. Peut-être qu'il s'est dit que s'il s'entendait si bien, peut-être que ce serait du gâchis de ne pas tenter de se mettre ensemble. Et puis, peut-être qu'à force d'y penser, il a fini par lui faire part de tout ça. Mais que ça a brisé quelque chose entre eux et qu'ils ont préféré s'éloigner. Mais de là à dire que l'amitié n'était pas sincère... Je vous avais dit que le prochain qui ouvrait la bouche dans mon cours sans mon autorisation serait mis à la porte, alors fichez-moi le camp. Je dis fichez-moi le camp! Vous croyez où, là? J'ai une tête de psychologique ou quoi? Bir boklar olacak, dur. Vous croyez pouvoir venir dans mon... Bu yeni bir şey planlıyor. Cours, racontez-vous sans net, comme si j'étais en plateau télé! Et vous aussi, mademoiselle, vous créez des monstres! Sortez de mon cours et ne revenez jamais! Psikopat değil, psikopat değil. Bak bu ikisi bence, bu kızla bu beyaz çocuk dışarıda şimdi baş başa kalacaklar. Sonra el ele içeri girecekler. Ce prof est complètement malade. Je te dirai pas que je te l'avais dit. Tu changeras jamais toi. Est-ce que tu penses... Çünkü itiraf ettirtti orada ona. Doucement, doucement, n'allez pas trop vite. Vous avez suivi mon cours. Et vous aussi, mademoiselle, vous créez des monstres. Sortez de mon cours. Désolé qu'il vous ait menti depuis le jour de votre rencontre. Un toutou. Mais vous n'êtes visiblement pas assez bien pour être la sienne. Je ne suis pas vraiment d'accord cette fois, monsieur. Trouvez quoi, c'était votre meilleur ami. Et vous aussi, mademoiselle, vous créez des monstres. Sortez de mon cours. Et ne revenez jamais. Quoi? Non, rien. Vous savez alors comment désamorcer une amitié. Si vous voulez la réamorcer, faites l'inverse. Non, choisissez. Faites l'inverse, laissez-le choisir. Tu m'en fais lui croire que c'est lui qui choisit sa situation. Si tu m'avais dit ce que tu pensais comme tu l'as dit tout à l'heure, j'aurais peut-être mieux compris. Étape 2. Mieux vaut l'adasser que d'être toujours d'accord avec lui ou elle. Faites l'inverse. T'as raison. Soyez pas trop visiblement à l'aise, montrez de la timidité et de la réserve. Le contraire, détendez-vous. 4. Soyez plutôt distant que trop présent. Anthony? Ouais. La friendzone n'existe pas. C'est un endroit psychologique dans lequel on se retrouve piégé lorsqu'on a fait une erreur comportementale. Ça arrive, ça se rectifie. Tu sais, on peut aller parler et manger à la pizzeria, là où on avait l'habitude d'aller. Mais l'amitié est un choix. La refuser en est un aussi. Non. Si vous choisissez de détruire cette chose inestimable délibérément pour je ne sais quel état d'âme... Quelqu'un ici saurait comment détruire une amitié sincère et réciproque. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Allons plutôt manger un burger. J'ai jamais aimé les pizzas. Ha, boş video diyorsunuz da çok güzel video yapmışlar bu arada. Bayağı güzelmiş. 16 dakika böyle aralarda bir baydım koptum falan ama sonu güzel bağladı.
O, ya şeyi güzel videonun yani siklerin içindeki detayları. Böyle tiplemeler işte müzikle uyumu. Garip bir video yani, güzel. Bunu kim atmış lan bana donate'le? Sağ olsun. Amına koyayım yine 25 tane video gelmiş. Yorulamayın lan. Oğlum kaldıracağım donate linkimi ya. Abicim rica etsem başvuru formunu gösterir misin? Ya oğlum başvuru soruları niye göstereyim? O, okuyacaksın, yapacaksın, yakaladın mı hazır cevap çakacaksın. Öyle şey mi olur? Merhaba Milli Eğitim Bakanlığı. ÖSS'ye gireceğim de soruları bir görebilir miyiz? Abi sana hediye... Ya, ÖSS'yle bir tuttuğum için söylemedim bunu bu arada yani. Örneklendirme. Abi ortasında çikolatalı süt ne? Bu adamın tüm videolarını çevirip yayınlasam izleyen olurum. Oğlum çok iyi video ha. Gaza geliyorum izledikçe. Tatlıdaki yazı 15-20-15 yazı açıklanıyor yani. Ego. Çünkü oradaki soru arkadaşlık nasıl etkileştirilir diyor. Sonra tahta yazdığı yerde şunu söylüyor. Bu paha biçilemez şeyi bir türlü ego için yok edersiniz. Adam frenzonla ilişki yaratıyor. Yetmiyor bitmiş ve arkadaşını yeniden başlatıyor. Bir de şu mükemmel ol videosunu çevirsen. Ulan bu ne yazarım? Yalnız frenzon yiyen çağırsan oldu. Hızı 2x'e alın camide sure okurken ben temsili yaptım. Çok iyi be. Bütün frenzon yiyenler burada coşuyor tabii, yükseliyorlar. Neyse tamam, geçiyorum bu videoyu daha.